Bonjour. Plusieurs d'entre vous ont vu ce style de carte et d'autres où j'avais mis des fonds colorés aux encres à alcool pour venir mettre un petit peu de couleur et de la structure un peu différente sur mes cartes. Et vous êtes plusieurs à me demander comment j'ai fait mes fonds. Alors je vous propose de le réaliser ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. Il faut pas faire, faut pas trop réfléchir. C'est assez relaxant à faire. Voilà, je vous montre la carte comme ça. Je vous ferai le tuto de la carte ensuite. C'est une carte que je dois reproduire une trentaine d'exemplaires, donc j'ai le temps de vous faire une vidéo. Et en attendant, je vous montre comment je fais mes fonds. Alors, je pars d'un papier plastique, papier vélum, moi il est assez épais. Je prends mes encres à alcool, voilà, je les ai ici, c'est les encres à alcool de chez Ranger. Je vais les mettre sur le côté, je vais quand même essayer de bien centrer. Alors ici, je choisis des couleurs bleues parce qu'à la demande de mon ami, c'est des couleurs bleues, donc je vais prendre la couleur turquoise, un petit peu de pearl, je pense que non, c'est poule, poule, voilà, un peu plus clair. Je vais prendre un bleu plus foncé, donc je le trouve, voilà, c'est du dénime. J'essaye de faire la mise au point, il ne veut pas, voilà, dénime, il y en a encore dedans. Je prends également. Qu'est-ce que je vais encore prendre comme couleur? Peut-être que je mettrai un petit peu de celle-là aussi. C'est du monsoon. Et je vais y prendre de l'argent. Voilà, donc c'est ceci. Je vous montre, il est marqué silver dessus. Si la mise au point veut bien se faire, voilà. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Je vais travailler avec mes encres, alcool et une paille. Ou si vous avez ceci. Moi, j'aime mieux avec la paille, je trouve que ça se répand mieux, mais ceci, c'est avantageux quand on manque un peu de souffle ou si on n'a pas envie de souffler à la paille. Et les pailles, voilà, je ne vous montre pas, c'est une paille en plastique, j'ai du Tupperware, qui est désignée à mon scrap. On voit, elle est un peu sale, hein. Je ne vais pas aller boire ma boisson dedans. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce qu'elle est en plastique rigide et je ne dois pas la changer chaque fois. Et je n'aime pas les pailles en papier que l'on fait maintenant. Voilà, c'est une idée. J'aime bien le principe des pailles en papier, mais je n'aime pas de les mettre dans ma bouche. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ben, je vais prendre mes encres. Je commence par la plus foncée. Et vous allez voir que c'est très compliqué à faire. Vous allez répandre de l'encre un peu partout sur votre feuille de manière aléatoire. Il ne faut pas trop réfléchir. Hein. Et vous allez travailler comme ça, avec différentes encres pour venir remplir le maximum de trous. Je commence par les plus foncées et puis je vais mettre le clair par au-dessus. Je ne sais pas s'il y a une méthode particulière. Vous voyez bien qu'il ne faut pas trop réfléchir. C'est très facile à faire. Voilà. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos encres, avec vos marqueurs à alcool. Bon, moi, je préfère travailler avec les encres parce que je ne dois pas remettre de l'alcool après pour faire travailler les couleurs. Ça se travaille tout seul. Regardez, si je mets un petit peu de clair dans le foncé, ça va faire des petits. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra avec le reflet, ce n'est pas évident. Voilà, je remets même de la couleur dans les autres. Et je viens comme ça remplir. Et j'adore cette couleur un peu claire qui vient de se marier dans les plus foncés. Vous n'aurez jamais deux fois le même résultat. Hein. Donc, vous mettez, si c'est un peu plus vert, et ça vient un petit peu mettre, je dirais, un peu éclaircir le bleu foncé de départ. Voilà, j'en mets un peu partout. Et puis, je prends ma paille et je viens souffler. Alors, les couleurs se mélangent, mais pas de manière uniforme. Et le but, c'est pas de faire une seule couleur avec tout. Et voilà, vous venez simplement souffler de façon à remplir le maximum les petits blancs qui resteraient. S'il en reste un peu, c'est pas grave. Vous pourrez très bien venir encore en rajouter un petit peu. Voilà, ici par exemple, j'ai un gros morceau de blanc. Je me dis que si c'est ça que je vais découper, ça ne va pas aller. Là, je vais travailler un petit peu l'encre toute seule. Et puis, j'ai un peu l'idée. Voilà. Moi, j'aime bien parce que voilà, mettant l'encre comme ça, j'ai des bords un peu plus épais. Là, par exemple, c'est très clair, c'est un peu trop pour moi. Je cherche une encre, peut-être mettre un petit peu une autre bleue. Regardez, j'ai encore une autre bleue, mermaid. Voilà, donc, je vais mélanger mes différentes couleurs de façon à avoir, ne pas avoir quelque chose d'uniforme, d'avoir quelque chose pas trop foncé, ni trop pâle. Et voilà. Et puis, je viens sécher ça. Et une fois que c'est sec, vous pouvez faire vos découpes. Alors, par exemple, pour faire ma carte, ben, j'ai découpé tous des petits ronds. Ah, j'ai oublié de mettre l'argent. Alors pourquoi je mets de l'argent en ce moment? Parce que mon fond de carte est argenté, mon miroir argenté. Attention que l'argent est très couvrant, ce n'est pas le même style d'encre que les autres.
Voilà, donc il faut mettre des petites gouttes. Parfois, j'en mets des trop grosses. Voilà, je viens mettre un petit peu par-ci, par-là aussi, pas trop. Et je viens aussi la souffler, de façon à l'étaler un petit peu plus. Si vous préférez jouer avec ça, voilà, moi, j'ai difficile, moi, avec ça. Éventuellement, il faut remettre de l'alcool avec. Moi, je n'y arrive pas. Et là, comme ça, je vais mettre des petites taches. Ici, par exemple, j'ai une tache qui est un peu trop grosse. Imaginons que cela ne me plaît pas. Je peux venir remettre de l'encre dessus. Elle va venir teinter aussi l'argenté, mais d'une couleur un peu différente aussi. Je reprends ma paille. Voilà, comme ça, il y a un peu moins d'argent. Et vous pouvez comme ça vous amuser à l'infini pour faire vos fonds de cartes ou décorer quoi que ce soit. Voilà, je pense que c'est une méthode toute simple, très facile. Une fois que vous avez vos encres, c'est relativement facile à faire. Il n'y a pas pourquoi réfléchir. J'en avais même fait avec mon petit garçon de 3 ans, mon petit-fils de 3 ans, bien sûr, sous surveillance. Attention qu'avec la paille soufflée, ça va, n'aspirez pas, vous allez aspirer les alcools. Donc, entre chaque fois, retirez bien la paille de votre bouche pour ne pas aspirer les effluves d'alcool. Je vous conseille également de faire ça dans un endroit aéré. Bon, moi, ici, j'ai la fenêtre ouverte, de façon à ne pas devenir malade avec l'alcool que vous pourriez respirer. Voilà, c'est un truc tout simple et je vous promets que ça donne de beaux effets. À bientôt pour d'autres tutoriels. Bye bye.